Bonjour, welcome to our world FTM. C'est Joey avec vous pour le mardi. Mais malheureusement, on est mercredi. Je pense qu'on est mercredi. Je sais même pas si on est mercredi. Ma tête est... Je suis assez stressée avec l'école. C'est pour ça que mon vidéo est en retard. Ok, le sujet cette semaine, c'est la testostérone. Je ne suis pas sur la testostérone. Je vais encore voir mon psychiatre, puis il est supposé me signer ma lettre pour que je puisse avoir la testostérone. Il était supposé après Noël, mais là, il fait des changements avec mes appointements, ça fait que j'ai besoin de le voir deux autres fois avant que je puisse avoir ma lettre de testostérone. Ça fait que ça va pas trop bien, comme j'étais supposée commencer à l'avoir au mois de janvier ou février. Mais là, il pousse mes appointements à tous les deux mois. Ça fait que ça le pousse encore plus loin. Ça fait que ma quatrième appointement est au mois de février. Puis il faut que je le voie deux fois après ça. Ça fait que ça va pas trop bien. J'aimerais ça pouvoir le prendre tout de suite, mais je peux pas. Ça fait qu'un coup que je commence à le prendre, j'aimerais le prendre comme avec des piqûres. Puis j'aimerais l'avoir à toutes les semaines. Parce que je trouve, comme de ça que j'ai vu, c'est plus affectif comme ça. Si tu le prends toutes les semaines. Puis c'est moins dur sur les émotions quand tu le prends toutes les semaines. Parce que après un tel, comme après une semaine ou deux, comme ça commence à sortir de ton système. Puis ça te fait comme des mood swings, genre. J'ai des choses que j'ai comme peur à propos de prendre ma testostérone, c'est le cholestérol. J'ai entendu dire que si t'as du cholestérol déjà, que c'est pas bon. Puis à part de ça, quand tu commences à être sur la testostérone, tu veux encore plus manger, puis je mange déjà beaucoup. Ça fait que j'ai peur d'engraisser aussi. Je veux pas avoir beaucoup de poils, comme je veux pas avoir plein de poils sur mon dos, puis ça, mon père a pas trop de poils, so j'espère que je vais prendre le comme mon père, puis pas en avoir. C'est ça, j'espère de prendre là, comme la testostérone le plus tôt possible, parce que je suis supposée de graduer de mon cours au mois de juin, puis je veux pas commencer une job avec comme on ressemble comme ceci, puis après ça que je vais comme faire ma transition dans le public, parce que je vais être une journaliste. Ça fait que ce serait pas comme, je veux pas comme le faire en public parce que c'est pas cool, tu sais. Ça fait que c'est pour ça que j'aimerais ça que mon psychiatre se dépêcherait pour me donner mes deux autres appointements qui peuvent me donner ma lettre, puis que je peux commencer la testostérone. Ben, je pense vraiment pas que ça le dérange, là. Il est pas trop gentil. C'est ça. J'ai juste assez de choses sur la tête tout de suite, là. Comme quand c'est déprimé, t'essaies de... Ça tente pas de faire grand chose, puis là, j'essaie. J'ai juste trop de choses qui se passent. Mon école, puis là, ma dépression, puis ma transition, puis sorte d'affaires. Je suis vraiment stressée. Ça fait que je m'excuse pour la vidéo, là. J'ai pas trop de choses à dire, parce que je suis pas sur la testostérone. Ça fait que je peux pas dire comme mes side effects ou des choses comme ça. J'ai hâte d'avoir comme ma voix, j'ai hâte que ma voix puis ma face change. Je veux vraiment pas engraisser. Je veux pas venir plus grosse que je suis déjà. Ça fait que c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire, malheureusement, je m'excuse. Je vais venir moins stresser, là, si que je passe toutes mes cours, là, puis que après ça, ça va être mes vacances de Noël, je devrais venir moins stresser. En tout cas, je vous remercie d'avoir watché mon vidéo, puis passez une belle semaine, puis une bonne fin de semaine. Soirée.